Oui, c'est ici qu'on loge les gens, ici à Moria, en Grèce. En Grèce, regardez comment les êtres humains vivent dans ce territoire-ci. Regardez, ils réclament chaque fois de l'argent à l'Union européenne. Oui, pour nous dire qu'ils nous aident beaucoup. Regardez comment les gens vivent ici. Regardez, vous-même, pourquoi quelqu'un ne pourra pas partir d'ici? Pourquoi quelqu'un ne pourra pas partir d'ici? Et si c'est possible de vivre dans cette condition-ci? Dans cette condition-ci? Et si c'est possible, mon Dieu? C'est possible. Vous, les hautes personnalités là-bas, devant, regardez. Regardez comment les gens vivent ici. Ils sont dedans, dans la glace, couchés comme des cadavres. Est-ce que c'est normal? C'est normal? Est-ce que c'est logique? Je vous demande, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique, mon Dieu, que les gens vivent dans ce genre de conditions, dans des cas pareils? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que les gens vivent ici? Vous ne laissez pas les gens partir, pourquoi? Vous retenez les gens pour faire vos gains. Vos gains. Oui, vous faites de l'argent sur le monde. Vous dites demain que vous aidez beaucoup les gens. Regardez comment les gens vivent dans ce genre de conditions. Est-ce que c'est logique? C'est logique, mon Dieu. Toi qui es le patron du monde, c'est logique. Hein? Les gens s'en foutent. Laissez-nous partir. Nous voulons partir d'ici. Regardez comment les gens vivent. Regardez vous-même comment les gens vivent ici. Regardez, les gens sont dans des petites bâches, emballés comme des cadavres. Ils sont là-dedans, couchés. Ces gens-là sont couchés ici dedans. Oui, mais quand quelqu'un veut partir, on le retient ici. Comme si c'est un bénéfice d'être ici. Pourquoi? Pourquoi Dieu? Pourquoi? Pourquoi vous les autorités? Pourquoi? Hein? Pourquoi vous laissez les gens souffrir comme ça là? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? À la logique, c'est normal. Regardez là où les gens sont cachés dans des petites tentes avec de la glace couverte au-dessus. Oui, ils vont sortir là tout à l'heure. Regardez la neige. Est-ce que c'est logique? Si quelqu'un prend, ramasse une carte, il veut partir se sauver, mais on le retient ici. On le retient pourquoi? Pourquoi on le retient ici? Pourquoi on le retient ici? Est-ce que c'est normal? Rien n'est logique, mon Dieu. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique, mon Dieu. Regardez une tente qui est cachée tout en bas là-bas. Est-ce que c'est logique pour un être humain? Vous pouvez vivre comme ça? Est-ce que vous pouvez vivre comme ça là? Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Laissons-nous avancer. Vous allez voir comment nous vivons ici. Et on dit que les gens veulent partir. Si les gens veulent partir, vous les laissez partir, ils continuent leur chemin. À pied même, nous sommes prêts à partir d'ici. Même à pied, nous sommes prêts à partir d'ici. Est-ce que c'est logique? Voilà une vidéo que je suis en train de faire. Et je vais l'envoyer très loin, cette vidéo-ci. Oui, vous n'avez rien pour pouvoir faire garder les gens ici. Mais c'est vous les premiers à retenir les gens ici. Est-ce que c'est logique? Regardez, regardez là où les gens sont. Le monde entier. Même vos chiens vivent mieux que nous ici. Est-ce que c'est logique? Hein? Rien n'est logique dans ça. Rien n'est logique dans ça. Regardez vous-même, regardez. Regardez là où nous sommes. Regardez là où nous sommes. Là où les gens sont. Regardez. Regardez là où les gens sont. Hein? Regardez-nous ici. Est-ce que c'est logique? Rien n'est logique ici. Hein? Et on retient les gens ici tous les jours. Pour faire leur gain avec nous, ils font leur argent sur nous. Ils font leur argent sur nous. Est-ce qu'il y a une logique dans ça? Est-ce qu'il y a une logique dans ça, mon Dieu? Regardez comment les gens vivent. Regardez. Est-ce que c'est logique? Rien n'est logique dans ça. Rien n'est logique dans ça. Rien n'est logique dans ça, mon Dieu. D'autres sont un peu bien cachés. D'autres, oui. D'autres sont bien cachés. Hein? Regardez comment les gens, les hommes, les êtres humains sont dans des cachettes, dans de la glace, couverts, et vous ne les laissez pas partir. Vous les retenez chaque fois quand quelqu'un trouve une possibilité de partir. Vous les retenez. Hein? Nos tentes sont regardez, visées. Regardez. Regardez ça, comment nous vivons. Hein? Ça, c'est un monde. Ça, c'est vous un disiez être que humain. L'Europe, c'est le pays des droits. Où Hein? sont nos droits? Voilà. On n'est pas des cochons qu'on doit fermer dans des tentes comme ça. Regardez, cadavres, des cadavres dans de la glace. Oui. Hein?
C'est peut-être une morgue à Moria. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe réellement ici. Oui. On a demandé qu'on puisse nous mettre dans de bonnes conditions. Nous dormons sous des tentes, des toilettes sont sales. Et voilà comment les gens vivent ici, en plein hiver. Vous dites que vous êtes dans des pays de droit où le droit existe. On ne saura jamais résister dans de telles conditions. Dans telles conditions, pas, ça c'est exposer pas. Des gens à la mort. Ça c'est dribbler les gens. Ce lieu, c'est exposer les gens à la mort. C'est ça. Ça c'est dribbler les gens. Regardez ces enfants. Ça c'est sacrifier des gens. Les gens passent ici pour aller trouver le bonheur. On les retient pour les tuer obligés. Et si c'est logique. Ça c'est loger les gens ici. Regardez les gens. Ils sont dans des tentes. Ils sont là dedans comme des maquereaux, des sardines. Oui, et si ça vous fait du bien. Même votre chien, même votre chien, il vit mieux que nous qui sommes ici. Votre chien, il vit mieux que nous tous qui sommes ici. Et si c'est logique, c'est logique, c'est pas clair. Ça, vraiment, le monde ici, vraiment, est impossible. Mais vivons seulement, nous allons voir la suite. Ce reportage que je fais pour vous, les Allemands qui êtes en haut là-bas, qui retenez les gens ici. Parce que vous faites les gains sur nous, vous faites de l'argent sur nous. Regardez comment les gens sont. Regardez. Et si c'est logique, je vous demande. Et si c'est logique, C'est inadmissible. Je fais cette vidéo pour vous, le monde. Regardez comment nous sommes ici. Regardez. Ouais. Demain, vous allez dire que Moria est aidé. Moria, on nous donne tout ici. On nous donne rien. C'est la souffrance. C'est la mort à petit feu dans cette île. C'est la mort à petit feu. Laissez les gens partir, on refuse. Mais vous retenez des gens. Vous retenez des gens. Oui. Que quoi? Mais on va dire à tout le monde de sortir pour marcher. Vous allez rester dedans. C'est ça. C'est comme ça, lundi, tout le monde doit sortir ici, là. Parce que la neige ici a commencé. Ça va tuer quelqu'un. Ça va tuer quelqu'un. Avant de dire que lundi. Ça va tuer quelqu'un. Oui. Tout ça, là. Oui, regardez là, les gens vivent. Regardez. Je suis en train de faire une vidéo, Regardez comment le monde, un être humain vit. Regardez. Vous-même, regardez. Regardez comment les gens vivent ici. Ils sont cachés dans des tentes, comme des poissons congelés. Ils sont cachés. Et si c'est normal, ça, rien n'est logique. Votre politique est fausse. C'est une fausse politique. Oh mon Dieu, lève-toi, parle à notre place. Dieu, lève-toi, parle à notre place. Regardez comment les gens vivent. Regardez là-bas. Regardez. Il fait froid, un froid de canard. Regardez comment les gens vivent ici, à Moria. Regardez, et ils bénéficient de l'argent. Nous ne devons même pas le tiers de ce qu'ils bénéficient. Même le tiers, et ce matin, avec la neige comme ça, ils vont prendre des jus avec des pains rassis pour te donner. Au lieu de te donner l'eau chaude avec du sucre même, il n'y a pas. Quand quelqu'un veut partir, vous l'arrêtez, vous le tabassez, vous voulez le tuer parce qu'il a vu qu'il ne peut pas vivre ici. Et regardez les gens en rang. Regardez les gens en rang. En rang pour un morceau de pain. Les gens sont en rang pour un morceau de pain. Les voilà. Les gens sont en rang pour un morceau de pain. Pour juste un morceau de pain que tu vas demander pour manger. Les gens sont en rang. Les gens s'alignent. Oui, les gens s'alignent. Pour manger un morceau de pain, les gens s'alignent. Regardez, tout ce monde ici. Nous sommes quoi, Seigneur? Nous sommes quoi? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi cette méchanceté? Regardez là, les gens vivent. Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi nous avons fait quoi pour mériter ça? Nous avons fait quoi pour mériter ça? Même des condamnés à mort vivent mieux que nous. Même ceux qui ont tué
ceux qui ont massacré le monde. Les images à France 24. Oui, même ceux qui ont tué, vivent 10 000 fois que nous. Oui, ils sont dans des prisons bien dorées, des prisons avec le chauffage et tout. Regardez comment nous vivons ici. Oh mon Dieu, interviens. Interviens, mon Dieu. Regardez, interviens, Dieu. Dieu, interviens. Pourquoi? Hein? Les gens se mettent là. Pourquoi? Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal ça? Mon Dieu, est-ce que c'est normal ça? Regardez des gens qui sont alignés pour prendre un petit morceau de pain rassis avec de l'eau chaude. Mais d'autres toutefois, on te donne des jus bien petits jus comme ça là. Ça c'est pas normal. C'est comme si nous sommes en Guantanamo. Voilà. Même à Guantanamo, les gens vivent mieux. Nous ne sommes pas des réfugiés, nous sommes des exilés politiques. Voilà. Regarde, on a des conditions là. C'est pour ça les mamans. Quand vous marchez, Quand on dit de marcher, il ne marche pas. Hein? Oui. Regarde ça. Demain, lundi, tout le monde sort. Tout le monde sort. Demain, va regarder comment les gens sont alignés. Pour prendre un pain rassis, un morceau de pain rassis. Oui, c'est ça. Demain. Angela Merkel, regarde. On va vous envoyer l'argent. On n'a même pas le tiers de cet argent-là. On n'a même pas le petit morceau de cet argent-là. Mais on veut garder les gens ici. Est-ce que c'est logique? Regardez là où les gens vivent. Regardez tout ce monde ici attend le pain rassis. Tout ce monde ici attend le pain rassis pour donner aux gens. Est-ce que nous sommes des animaux? Nous ne sommes pas des animaux. Oui, on doit partager partout. Oui. On doit partager ça. Regardez les femmes qui tombent partout pour aller chercher du pain. Regardez-les. Regardez tout ce monde, Dieu. Ce sont tes enfants. Nous avons fait quoi pour mériter ça? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique ça? Non. Non, c'est pas logique, mon Dieu. Regardez. Non, même si c'est quoi qu'on a fait, c'est pas logique. Nous n'avions tué personne. C'est pas nous qui avions tué Jésus-Christ. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Regardez dans quelles conditions nous sommes ici. Regardez. Voilà, regardez.